esprit va lui. Le moment est venu. Le moment est venu. L'esprit de Dieu. L'esprit de la parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Jésus. 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 Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus nous bénisse. Amen. Amen. Que dit Jésus? Non, Jésus. C'est toi dit Jésus. Non, Jésus. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu l'a éternellement. C'est quel attaque. Alléluia. Elle a attaqué. Jésus n'est pas un attaqué. Jésus, il est. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur pense ce qui se passe. Mais tout même toi. Il est vivant, il est vivant. Non, tu vois. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus, fais comme ça. Jésus. 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 Attention, merci. Jésus. 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 Ce nom a traversé des siècles. Et c'est où? Ce nom a traversé des temps. Et c'est. Ce nom a parcouru des hommes. Et c'est là où? Ce nom a fait le tour de la terre. Et quoi? Tout va dire. Ce nom a fait le tour du ciel. Et ce nom, a fait le tour de l'univers. Et mais quel est ce nom? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Et quel est simplement au nom de Jésus seulement. Mais le loup de ton nom, ça c'est ça va. Oh, Alzéro. Alléluia. Ah. Il y a un témoin que je vais partager avec vous ce matin. C'est un musulman. Alléluia. Il est tellement rien. Malheureux. Alléluia. C'est un musulman. Il vivait en location. Et l'eau, dans une maison avec les chrétiens. Alléluia. Et les chrétiens, la nuit, ils prient. Et ils prient au nom de Jésus. Tellement ça le dérange. Et le verni. Ça le dérange. Et le verni. Mais qu'est-ce que Jésus a eu le mal d'entendre Jésus? C'est pas. Jésus n'est pas Dieu. Jésus m'a voir. Alléluia. Jésus m'a voir. Et le matin, vous êtes là. Quand il se révèle, il est fort, il se révèle en colère. Il faut qu'on voit ici. Même si les sacerdotes voisins chrétiens le saluent, mais il aurait ici on est des dons bénis. Il ne répond pas. Il est béa. Il ne répond pas. Parce que nous disons pas. Donc le roi lui a donné ses liens. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. On ne doit pas. Alléluia. Il a quitté là. Et ton civil est à cause de Jésus. Il est allé au nord. Bon, et il est au nord, ton livre. L'histoire s'est passée ici. Oh, oh, à côté de lui. C'est une histoire réelle. Il est allé au nord par la cour. Bon, et il est au nord par la cour. Et quelques mois plus tard. Bon, son nom est allé au nord. Alléluia. Sa femme l'a quitté. Oh, assis donc. Gossé, pardon. Alléluia. Et il est rentré dans un problème. Bon, et puis tout cas, il ne comprend pas. Et son la nuit n'arrive pas à dormir. Et ce exemple, où est-ce dans le il ne sait plus d'où vient son bruit. Il ne peut plus tout faire à côté car. Alléluia. Ah. Il était dépassé. Bon, et vous, qu'est-ce que c'est-à-dire que nous sommes dans l'absolu avec qu'on ne peut pas parler seul. Et est-ce que vous pouvez regarder le bruit des bon. Et tiens. Et est-ce que vous avez qu'est-ce que tu as et
Viens, t'es quelle personne? Mais t'es quelle personne? Alléluia. Donc il est tout menti. Bon, et où le gars et c'est comme ça, il vit. On passe un jour. Moi, il est mon moyen ça fait un jour. Bah, ça arrive, oui. Il est rentré à la maison. Oui, oui, oui. Et tellement l'attaque est devenue tellement dangereuse. Moi, si elle est sans mort. Alléluia. Et il n'a pas compris. Et quand vous voyez, il s'est rappelé. Mais que c'est sa vie chrétienne. Retourne-toi, il s'est non. Il s'appelait un nom. Et il a eu encore. Le nom de Jésus. Et il a eu encore Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait, tenté. C'est les marabouts, tout ça là. Donne au bobo, que ça n'a pas marché. Et de quoi? C'est pourquoi ça donne le retour. Oui, c'est bon, d'accord. Alléluia. Donc, il s'est rappelé que, ah, c'est sa vie chrétienne là. Et fruit, ok, ici non. Et pour quel nom? Et lui, encore, et prie pas les noms. Mais lui, on ne connaît pas les mots. Donc, quand les esprits qui viennent le tourmenter viennent là. Les pipes, nous, on les voit comment? Il dit Jésus. Et la gueule, Jésus, 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 il a appelé tous les amis. Jésus, le nom de Jésus là. Ça ne te passe à la le nom de Jésus là. Ça ne te passe à la le nom de Jésus là. Ça ne te passe à la haine. Il a dit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire au nom de Allah Esmaï? Non, dites-moi. Est-ce qu'on peut dire au nom de de vos parents? Sorcier va fuir. Non. Hey yo. Parce que sorcier ne connaît pas ce nom. Et ton quoi ne ce nom ne fait rien. Alléluia. Donc quand tu dis Jésus là, apparemment vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi je vous vois un peu froid. Il y a certains qui sont vraiment en feu. Mais il y a d'autres qui sont froids. Mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que me dit Jésus. Alléluia. Moi, je vais poser la question à deux ou trois personnes. Alléluia. Ce que ces personnes savent de Jésus. Jésus. Qui est Jésus? Mais Jésus. Qui est Jésus pour toi? Mais t'es Jésus, ouais. Alléluia, c'est comme ça qu'on répond à la question. Amen. Mais qui est Jésus pour toi? Mais t'as Jésus en nous. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. T'as Jésus en nous. Dis-moi. Qui est Jésus pour toi? Et t'as Jésus en nous. Qui est Jésus pour toi? Non, pour toi, pour toi. Nous, ouais, toi, nous, toi. Je dis Jésus. Non, Jésus. Qui est Jésus pour toi? Mais t'as Jésus. Jésus. Alléluia. Elle dit que Jésus est leur protecteur. Jésus est leur protecteur. Et celui qui veille sur leur vie. Mais non, peut nous prendre ton oui. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Moi. Jésus est votre sauveur. Et on est leur protecteur. Alléluia. D'accord. Mon frère, non. Qui est Jésus pour toi? Mais t'as Jésus, oui. Oui. Tu peux répondre? Est-ce que tu peux te lever? Bon, quand on se lève, on entend mieux. D'accord? Alléluia. Amen. Il dit Jésus, Jésus, c'est celui qui le réveille. C'est celui qui veille sur son départ, sur son arrivée. Voilà celui que Jésus prouve. Oui, Jésus, oui. Papa. Qui est Jésus? Papa, mais t'es Jésus, il est là. Jésus. Jésus est le. Jésus est le sauveur. Est le sauveur. De la vie. Alléluia. Jésus est le sauveur. Jésus, oui, mais regarde-toi. Jésus est le sauveur. Jésus est le volontaire. 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 Qui va me dire ce que Jésus est pour lui? Mais le quoi ça, mais qui est Jésus? Volontaire. Qui est Jésus donc? Papa, qui est Jésus pour vous? Ah ok. Jésus va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Jésus. Jésus est non. Il va faire quelque chose. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu vas voir ça maintenant. Alléluia. Amen. Jésus.
Jésus. Qui est Jésus? Mettons Jésus. Qui est Jésus? Mettons Jésus. Les enfants. Villa. Qui est Jésus? Mettons Jésus. Qui est Jésus? Mettons Jésus. Ma fille, qui est Jésus? Il y a un doigt ici. Ah, voilà, je viens pour toi donner. Je t'ai pas oublié. Moi, oui. Je vais te prendre le cadeau pour le venir. Oui, ma fille, vas-y. Qui est Jésus? Mettons Jésus. Ah! Jésus est celui qui nous a envoyé dans le monde. Le Messie, vous êtes le grand-mère. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est celui qui nous a envoyé dans le monde. Jésus est le Messie, vous êtes le grand-mère. Jésus est le souverain. Jésus est une vraie. Jésus est celui qui nous a envoyé dans le monde. Jésus est le Messie. Jésus est notre protecteur. Jésus est celui qui nous réveille. Jésus est le confiant. Très bien. Ma chère. Qui est Jésus? Mais t'es où Jésus? Qui est Jésus pour toi? Jésus est mon sauveur, c'est lui qui vient à moi. Donc en son nom et par la foi, je peux ordonner toute situation de ma vie, toute montagne qui s'élève. En son nom, je peux renverser toutes choses. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout ce que vous avez dit là, tout est vrai. Tout est vrai. Mais en réalité, Jésus dépasse ça. C'est votre connaissance de Jésus qui vous donne cette foi que vous avez. Si tu connais Jésus un peu, tu as une petite foi. Alléluia. Si tu connais Jésus un peu plus, tu as une foi un peu plus. Si tu connais Jésus un peu grand, ta foi serait un peu grand. Mais si tu connais Jésus grandement, Jésus profondément, ta foi sera terrible. Alléluia. 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 Vous savez, et toi, nos parents ont pu te dire quelque chose. Ils ont dit que le monde est vaste. Mais il y a un couvercle. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que même vous reconnaissez qu'il y a une lettre souple. Il y a une lettre souple. Il y a une qui est au-dessus de tout ce qui a tout créé, et qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est juste une manière de dire que quelqu'un a créé quelque chose. Dieu, donc, je ne parle pas de Dieu, je parle de Dieu. Alléluia, parce qu'il y a des dieux qu'on appelle les faux dieux. Sinon, il y a un seul Dieu. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Mauro Poale. Alléluia. Il n'y a pas les dieux, c'est les faux dieux qui sont là. Mauro Bible est là. Voilà, Jésus. Donc, si déjà, dans le monde, on reconnaît qu'il y a un Dieu. Même si vous allez même dans les traditions chinoises. Dans le vautour là. Le vautour là, regardez comme ça. Alléluia. Ils savent qu'il y a un Dieu, il y a un vautour suprême. Il y a un Dieu suprême. Et tout le monde reconnaît ça. Et tout le monde. Il y a un Dieu suprême. Et tout le monde. Il y a un Dieu suprême. De qui découle tout. Et qui est le principe de toutes choses. Qui est le mouvement et l'être. Alléluia. Ce Dieu, on ne peut pas le voir. Et si vous alléluia. Si vous comprenez. Parce que j'avais dit que Dieu est comment? Esprit. Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Donc nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais si vous m'en voir. Et ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous savez, on ne peut jamais voir Dieu. Et si vous m'en voir. Pourquoi? Parce que donc, celui qui veut voir Dieu. Mais l'homme est dans la création de Dieu. Et elle nous dit à moi, ça, vous comprenez. Celui qui veut voir Dieu est dans la création de Dieu. Dit à moi, Dieu sur la terre, là. Allez, vous voyez, la terre, la création de Dieu. On nous dit à moi, ouais. Alléluia. Si tu as créé la terre, tu dépasses la terre. Oui, mais où est-ce que vous comprenez. Tout le monde, la terre. C'est ce que ça veut dire. Moi, la grandeur de Dieu, qui la taille de Dieu, qui sont en face de Dieu.
pas ça. C'est ce que ça veut dire d'abord. Alléluia. Si tu as créé la terre, lui le créateur, tu passes la terre. Amen. Amen. Si tu as créé la mer, il doit être aussi profond que la mer soit. Si tu as créé la société, il doit être aussi profond, profond, profond. Il est avec des grandes vagues. Il est au-dessus de tout ça. Il dépasse tout ça. Même si tu as créé le ciel, il doit être. Il dépasse le ciel. Ça veut dire que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le ciel ne peut pas contenir Dieu. Ça veut dire que quand Dieu met ses pieds sur la terre, quand Dieu met ses pieds sur la terre, la terre tremble. Parce que la terre ne peut pas supporter Dieu. Non, il ne peut pas le supporter. Je sais que vous l'avez entendu fort. Moi, au moins, moi, que moi, je que le temps là, et le Seigneur, on a vu se cacher. La porte de Dieu était comme ça. À quoi, moi, au gamin, il paraît que le commandant, le commandant, c'est la somme foutue. Il avait peur. Moi, il m'avait dit, il savait pas. Il avait dit, il est de Moïse. Et la Moïse, il est Moïse. Moïse, Moïse. On ne veut plus entendre la voix de Dieu. Les enfants de Dieu, est-ce que vous avez encore peur? Est-ce que vous avez encore peur? Mais c'est ce que vous faites. Nous sommes millionnaires. Mais vous avez peur? Mais toi? Vous avez peur. Président. Vous avez peur. Président. Le nom de Jésus. Pourquoi Jésus n'est pas réellement connu. Quoi? N'est pas réellement connu. Alléluia. Le nom de Jésus n'est pas réellement connu. Alléluia. Et pour Galia. Parce que tout à l'heure, de Dieu, on disait Jésus. Jésus.
pas compris ce que ça veut dire. Mais si vous avez dit que vous il pensait que ce serait un nom connu. Et vas-y, la carte, elle est pour moi. La petite. Pour moi, tu l'as mis là. Au nom de Jésus. Yo, il y a Jésus dans ma main. Au nom de Jésus. Yo, il y a Jésus dans ma main. Au nom de Jésus. Yo, il y a Jésus dans ma main. Touche le feu. Dans le ciel. Dans le cerveau. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sous la terre. Ça, je t'avais dit. Mais tout le monde. Quand dit Jésus. Il y a Jésus. Ça fléchit genoux. Ce nom le plus fléchit genoux. Les anges fléchit genoux. Toute la terre fléchit genoux. Alléluia. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, Jésus. Jésus. C'est ce que ça veut dire. Vous avez vu le musulman, non? Quel est le nom de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons sont chez nous, non? Les démons sont les démons fous, non? Mais c'est ça le nom de Jésus. Moi, il croit Jésus. Donc quand on dit Jésus, Jésus a bien la Jésus. Vous pensez qu'on parle en l'air? Mais quand on est pour la pitié. On n'invoquera pas le nom de l'Éternel en vain. Mais vous comprenez? C'est le commandement qui a été donné à Israël. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que le nom de l'Éternel a une puissance. Quand le nom de l'Éternel, quand on prononce le nom, quelque chose doit se manifester. Ma fille, on t'appelle comment? De la Bible. On t'appelle comment? Docas. Voilà. Mais elle a répondu non. Vous avez vu? C'est ça. Donc quand la personne nom, il est bon. Alléluia. Donc quand je prends le nom de Dieu, il est encore mal dans. Dieu répond. Mal le Ibé. Quelle est sa réponse? Mais sa réponse, la puissance qui se manifeste. Mais non, attends. Le temps. Sa réponse. Mais c'est la force qui se manifeste. C'est pourquoi lorsque le musulman a dit au nom de Jésus, la puissance de Dieu passe la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est ça. Donc quand on dit Jésus, c'est des puissants qui descendent. C'est le feu qui descend. C'est l'épée qui descend. Vous savez pas ce que vous avez le dégât que vous avez créé ici. Vous ne savez pas. Bien sûr, c'est ça. Ils savent. Quand on dit Jésus, ils savent ce que passe. Il y a Jésus, et tout le monde. Ils savent. Et tout. Donc quand on dit Jésus, il y a Jésus. C'est la puissance de Jésus qui a déployé. C'est la paix à l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Donc le nom de Jésus, c'est une puissance. Donc quand on dit Jésus, Jésus, c'est une puissance. C'est pas en l'air, c'est pas en l'air. Non. Il y a une puissance derrière. Alléluia. Si tu ne sais pas prier là, mais là on va tourner à voir. On dit ça en Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ça suffit. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout le monde peut prier ici. Même les bébés aussi peuvent prier. Bébé la bière. Alléluia, on acclame Jésus. Mais on parle de Jésus. On acclame Jésus. Mais on Jésus. C'était important de présenter Jésus. Parce que si je ne présente pas Jésus, celui qui m'a envoyé, mon maître, mon chef, mon patron, je ne peux pas travailler. Il me dit, mais qui t'a envoyé? Comme Moïse aussi avait peur, il dit, mais quand je vais voir Pharaon là, il va me dire, qui t'a envoyé? Voilà, il faut que j'aie une réponse. Il faut que j'aie une réponse. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est Jésus qui nous a réunis. Et je sais que chacun de vous a quelque chose, a appris quelque chose de Jésus. Vous avez reçu certaines connaissances de Jésus. Mais la connaissance que vous avez reçue de Jésus est sera en vous cette ressource qui va vous aider à combattre, qui va vous aider à avoir la victoire. Si la connaissance est insuffisante, vous serez toujours dans la défaite, vous serez toujours malade, vous serez toujours sous l'emprise des mauvais esprits, vous serez toujours sous la manipulation des esprits de famille, les petits sorciers de famille auront toujours le dessus sur vous. Alléluia. Parce que donc, quand on dit au nom de Jésus, c'est tout le pouvoir de Dieu qui se manifeste. Il a dit tout
tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et m'a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance, sur tous les cancans, tous les calebasses qui sont posés sur les poids. Vous avez le pouvoir de marcher sur ces calebasses. Et rien ne peut vous mettre. Rien ne peut vous mettre. Sur ces dossiers, peut faire tous les rituels. Et posez ça sur le carrefour. Toi, mets le plus petit. Le plus petit enfant ici va marcher sur ce pouvoir et va le pénétrer et va le trouver. Alléluia. Amen. Il a dit, tout lieu où vos plans de pied fouleront, vous l'avez en possession. Vous l'avez en possession. Vous l'avez pas compris. Vous l'avez en possession. Vous l'avez en possession. Tout possible que vous ne connaissez pas. Le diable est trop faible. Vous savez pourquoi il est faible? Il est parfois en vérité. Vous savez pourquoi? Si le diable est fort, le diable peut attaquer n'importe comment. Vous avez vu le lion? Le lion aussi est fort, mais il est aussi faible. Oh, lion, mais le lion. Alléluia. La Bible dit ceci. Que le diable, il fait comment? Il rôde. Il va chercher quoi? Quand tu es faible. Lorsqu'on fait lui, il va attaquer. Il attaque lorsqu'on est faible. Ça veut dire qu'on est fort. C'est ce que ça veut dire. Jésus. On est plus fort que le diable. Nous sommes plus forts que le diable. Vous devez connaître ça. Vous devez avoir cette parole. Mais gloire à vous, vous ne pouvez pas avoir peur. Merci, ma dignité. Vous ne pouvez pas avoir peur. Merci, ma dignité. Si tu as peur, je vais te livrer dans la main. Et à toi, nous, alléluia. Je vais te livrer dans la main des soucis. Et à toi, nous, la victoire. Il va permettre que le souci vienne t'attaquer. Et elle a de base à faire. Tu développes ta force. Bon, vous voyez, les armes, on va alléluia. Amen. Un soldat qui ne va pas à la guerre n'est pas un soldat. On t'a préparé à l'école de guerre. À l'école de combat. Mais tu n'es jamais allé sur le terrain. Tu n'es pas un combattant. 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 C'est ça non? Oui. Pas général. Il faut laisser au bureau. Il faut aller sur le terrain. Il faut combattre. Il faut résister. Il faut avoir le grade de général. Et tu as le grade de général là. Tu es général de Dieu. Tu es général de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas. Jésus. 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 Tout ça, c'est un petit. Mais tu vois, il y a. Madame Jésus, que le Seigneur te bénisse. Tu es général. Ali, tu es général. Mon frère, tu es général. En fait, vous avez à votre service des anges. Mido, en quel est vous avez à votre service des anges. Quand tu as dit, j'envoie le feu. Alors, voyez le Seigneur. L'ange te fait en feu. En avant avec le feu. J'envoie l'épée. Là, j'envoie l'épée. J'envoie le tonnerre. Il envoie. Vous avez donc les actions là. Donc les soldats qui sont à vos services. Alléluia. Vous avez des soldats angéliques. Qui sont à vos services. Et il attend que vous parliez. Il attend que général. Parlez! Parlez! Vous êtes plus fort que Mihuka! Les choses
sont pas avec un pouvoir. C'est toi là, ils sont pas avec un pouvoir. C'est pas le pouvoir du diable. Mais toi, ils sont pas avec un pouvoir. C'est pas le pouvoir de Jésus. C'est le diable de Jésus qui est le plus fort. Jésus, bon, là, il est le plus fort. C'est Jésus naturellement. Il n'y a pas de combat du diable de Jésus. La profonde, Jésus ne s'est pas levé de son trône pour combattre Satan. Oh, Jésus dit des signes. Il a dit au petit archange Michael, parle le grand serviteur. Jésus est trop grand. Jésus qui nous aime. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'était pas mon message. C'était juste pour vous fortifier. Pour que vous compreniez réellement votre identité. Alléluia. Amen. Ce matin, le message que le Seigneur a mis à cœur. Alléluia. C'est la vie de sainteté. Comme une exigence. La vie de cet été comme une exigence pour vivre victorieusement. La vie de cet été une exigence pour vivre victorieusement en Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de vie de cet été, beaucoup se posent la question. Cet été, on dit la sainteté, une exigence pour vivre victorieusement en Christ. Sainteté. Donc la sainteté est une exigence pour la victoire. En quoi la sainteté est une exigence? Qu'est-ce que la sainteté va m'apporter comme victoire? Oh, on a dit pas avoir la victoire, pas avoir l'épée. Pas avoir le feu. On a pu dire, t'aimes de ce matin, renversons tous les sorciers de ce quartier. Renversons tous les hôtels. Alléluia. Oh, c'est pas ça le combat. Alléluia. La Bible dit que le combat que nous avons, c'est pas contre la chair. C'est pas contre le sang. Mais c'est contre les autorités. Contre les puissances. Contre les dominations. Alléluia. C'est ça. Nos ennemis. Oh, quel temps, donc. Ah, Jésus. Amen. Donc, la sainteté. Voilà, oui, oui. Quand on dit sainteté, voilà, oui, oui. Je ne sais pas si vous et moi, nous avons la même compréhension. Il faut dire, mais d'autres qui me reposent. La sainteté. Voilà, oui, oui. La sainteté. Voilà, oui, oui. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? Voilà, oui, oui. La sainteté. Voilà, oui, oui. En fait, tu peux m'aider. Non, je suis le gars, moi. La sainteté. Voilà, oui, oui. Tu as jamais entendu sainteté une fois? Assez, tu as jamais entendu ça? La sainteté. Oui, oui. Jamais. Assez quoi? Toi. Ah. Tu as entendu les gens qui n'ont jamais entendu parler de sainteté. Vous m'aidez, vous m'aidez, qui va me dire? Sainteté. C'est quoi la sainteté? Voilà, oui, oui, carrément. La sainteté. Voilà, oui, oui. La sainteté. Voilà, oui, oui. Vous comprenez cela? Voilà, oui, oui. C'est quoi la sainteté? Oui, oui. La sainteté. Oui, oui. La sainteté. Aidez-moi. Aidez-moi, c'est quoi la sainteté? Tu vas me dire? Oui, oui. Oui, voilà, papa, oui, allez-y. Papa. La sainteté. La sainteté, c'est la pureté. Notre frère dit, la sainteté, c'est la pureté. Vous voyez, la sainteté, c'est la pureté. Tout le Seigneur est béni. Pour notre frère, la sainteté, c'est la pureté. Qui d'autre? La sainteté. Oui, oui. Ok. Ok. Elle dit la sainteté, c'est vivre selon la volonté de Dieu. La sainteté pour elle, c'est être un modèle, avoir une vie de modèle. Alléluia. C'est pas faux ce qu'elle a dit.
C'est encore pas la sécurité. La sécurité. C'est très important. C'est quoi la sécurité? La sécurité. Ok. Parce que nous allons faire. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Pour comprendre d'abord ce que c'est que la sainteté. Nous allons voir la sainteté en réalité. Quels sont les éléments qui sont inhérents à la sainteté? Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants sauvés, comment nous allons pratiquer la sainteté? Alléluia. Parce que la sainteté en réalité vous donne la nature de Dieu. Dieu est comment? Dieu est saint, n'est-ce pas? Donc Dieu est saint. Si Dieu est saint, alors nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être comment? Nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons être saints. Nous devons être saints. Alléluia. Nous devons être saints. Donne lui quelques paroles. Nous allons dans Lévitique d'abord, après dans Psaume et dans 1 Pierre. Lévitique 20, 26. Écoutez bien la parole du Seigneur. Ok, allez-y, s'il vous plaît. Bien au nom de Jésus. Amen. Vous serez saints pour moi. Il faut traduire ça. Car je suis saint. Moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples. Afin que vous soyez à moi. Vous avez entendu. Il dit, alors, vous serez saint. Vous serez saint. Pour Jésus. Vous serez saint. Pour Jésus. Nous Jésus. Car Jésus est saint. Alléluia. Amen. Il dit, alors, je vous ai séparé des peuples. Je vous ai séparé de vos familles. Je vous ai séparé des brigands. Je vous ai séparé des prostituées. Je vous ai séparé des montagnes. Je vous ai séparé des idolâtres. Je vous ai séparé des sorciers. Et vous êtes maintenant une nouvelle personne. Le milieu de nous, le roi de vous. Alléluia. Que si nous sommes en Christ, nous avons accepté Jésus, si nous sommes réellement en Jésus, si réellement Jésus est dans notre cœur, alors nous sommes devenus une nouvelle race. Amen. Donc la sainteté est une arme.
pour traverser les zones de ténèbres. Alléluia. Amen. La sainteté. Pour faire face aux zones de ténèbres. Au lieu de te mettre à jeûner, 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 prier. La vie de sainteté est une puissance que Jésus peut te donner. Et toi l'utiliser. Désormais, on va mille larmes. Alléluia. Ami. Père Jésus. Ami. Donc il dit, vous êtes séparés des peuples. Il est mis dans afin que vous soyez à moi. Non, mais c'est où vous savez, mais toi. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions dans nos familles, lorsque nous inclinons devant nos idoles, devant les fétiches des familles, vous savez, souvent on nous dit que ah, dans notre famille, on ne mange pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne mange pas à cet endroit-là, on ne met pas ceci à ce niveau-là. Alléluia, on rase la tête qu'il y a un mort. Alléluia, il y a tellement de sainteté. C'est pas ça. C'est ça, non, ma soeur. Les idoles. Les fétiches. Qui sont dans nos familles. Ont des principes, non. Ont des interdits, non. Ils ont des interdits. Ils disent on ne peut pas servir toi. Alléluia. Ami. Et si jamais tu transgresses, a fait ton lit. Les interdits des fétiches. Moi, en passé, vous me l'entendez. Et là, toi, vous. Alléluia. On dit pas ça. Ah, bon, ouais. On dit souvent que les révélants sont fâchés contre nous. Les inquiétants sont fâchés contre nous. Et là, c'est toi, c'est toi qui vous m'avez dormi. Vous m'avez dormi. Les révélants sont fâchés contre nous. Les inquiétants sont fâchés contre nous. Couvre ça vous dire. Et si vous m'avez dormi. Alléluia. C'est pourquoi la nuit, il nous poursuit. Et nous, nous avons dormi. Parce que nous avons combien un interdit. Non, mais passé, et donc. Alléluia. Ami. Et ils se révoltent. Bon, on voit vous. Le diable ne fait pas cadeau. Lève bah non. Le cadeau. Est-ce que vous savez ça? Lève-le pour moi. Quand on était dans le monde. Oui, là, quand vous allez chez les bocards. Quand vous allez chez les petits chats. Pas avoir de pouvoir, pas avoir de protection. Bon, bon, mieux, on va aller. Il vous donne la protection. On a mis ta vie. On a mis des interdits. Oui, non. Bon, je sais pas. Est-ce que les gens viennent pour toi donner une protection à quelqu'un, ça a été. Le diable a compris ça de Dieu. Lève par ici, ma ouvre. Alléluia. Il a compris ça de Dieu. Et ici, ma ouvre. Donc, tu as des principes. Alléluia. Tu as des principes. Si l'homme. Et après, c'est là où l'homme est tout méchant. L'homme est vraiment ingrat. L'homme est ingrat. Il dit que Jésus a sauvé. Et là, il dit, Jésus, et oui. Jésus a sauvé. Jésus, oui. Jésus est désormais son sauveur. Jésus, oui. Oh, il s'est bien. Ben, t'as voulu dire. Avant. D'ailleurs. Lorsqu'il y avait un nouveau petit dans la famille. Et donc, oui, le nouveau, nous, c'est d'ailleurs. Il y a de nouveaux interdits dans la famille. C'est lui, la fille, bon. Bon, maintenant. Alléluia. Amen. On dit, il y a des loups qu'on n'a pas mangé. Et donc, nous, le nom, il y a des animaux qu'on n'a pas mangé. Nous, le nom, il y a. Alléluia. Amen. Et il obéissait. Voilà, c'est ton loup. Quoi que ce petit n'a pas de bien. Non, vous nous l'avez dit. Alléluia. Ami. Il obéissait. Il avait un sein d'obéissance. Et donc, c'est ton. Il avait l'amour. Il a obéissé. Il est vraiment des familles. Il est le mieux les fétiches. Il est le mieux les fétiches.
t'a sauvé. Est-ce que c'est la vie qui nous a sauvés? C'est la vie qui nous a sauvés. Lisez-nous un pied. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais par le sang précieux de Christ. Donc, Jésus d'abord. Allez, on va le verset 17 d'abord. Verset 17. Et si vous invoquez comme père. Il a mis le temps. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Mais sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et si vous invoquez comme père. Qui est ton père? Qui est ton père? Mais c'est Jésus. Alléluia. Amen. Qui est ton père? Jésus est qui pour toi? Jésus est qui pour vous? Jésus est papa. Alléluia. Amen. On attend le papa Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si vous invoquez, si vous appelez Jésus, si c'est Jésus qui est votre père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, celui qui est juste, celui en qui il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de favorité, sans acception de personne. Non, c'est une femme. Non, c'est papa. Non, il ne va pas bien. Non, lui ne parle pas. Alléluia. Il n'y a pas de préférence pour quelqu'un. Il y a la même préférence pour tout le monde. L'amour qu'il a pour le pasteur, c'est le même amour qu'il a pour papa ici. C'est le même amour qu'il a pour ses bébés. Alléluia. Acclamons Jésus. C'est le même amour. Qu'est-ce qu'on va faire? Conduisez-vous avec crainte. Voilà, c'est tout. Si vraiment, vous devez avoir la crainte. De la même façon que vous créez les fétiches. Vous avez dit que vous avez dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. Donc, il n'a pas été sauvé par le sacrifice. Et non, à côté ça l'est. Est-ce qu'on a fait des sacrifices dans ta vie? Est-ce qu'on a assez des colas? Est-ce qu'on a assez des coques? On a assez des vaches? On a assez quelque chose? Non! Ces choses, on appelle ça des choses périssables. Tous ceux qui cherchent le salut, la protection, en achetant des coques, ils pensent qu'on leur protège la coque. Et il pense que la protection est dans les plans. Il pense que la protection est dans les barres. Il pense que la protection est dans la mèche. Il pense que la protection est dans la poudre. Il pense que la protection. C'est dans la tenue. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce n'est pas dans ces choses que vous avez été rachetés. Que vous êtes une nouvelle nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas par l'or. C'est pas de l'argent. Alléluia. Amen. Qui a payé de l'argent à quelqu'un si pour avoir le salut? Mais t'es sous quoi, mais les gens m'ont dit, les gars. Moi je ne connais pas. Mais je sais que vos anciens maîtres. Vos anciens maîtres. Oh, vos anciens maîtres.
Vous censez mettre. Alléluia. Ami. Avant. D'ailleurs. Pour vous donner quelque chose là. Vous avez un délire. Vous devez le donner aussi quelque chose. Mais d'un moment, les Alléluia. Ami. C'est pas ça. Moi. C'est pas ça. Moi. Les vaudous de famille là. Oh, vaudous de famille là. Les vaudous couloirs de famille là. Alléluia. Vaudous là. Vous réclamez des choses. Et le yé, allons ici. Vous parlez fort vaudous, les mains vite. Assassin, mon vaudous pas. Non, dis-toi. Eh oh. Tu perds le conscient pour tout le monde. Ah, là, il faut tout le conscient. Et là, il faut tout le monde. Et que tu as un homme, le conscient avec ton pain. Bon, vous voyez comment l'homme est méchant et grand. Il faut les bêtons et blagues. Vous voyez comment l'homme est méchant et grand. Même si elle n'arrive pas à manger, il va trouver l'argent de toi. Et non, mon quoi, cocon. Alléluia. Ami. Il va trouver. Et non, mon. Même si elle n'arrive pas à manger dans sa maison, l'argent de colère va trouver. Ah, quoi, colère, tonner, mon vraiment. Parce que. Il a tellement froid en petit. Non, non, il sait au colère, non, mais. Et il vient à Jésus. Je donne moi avec Jésus. Gratuit, il a été sauvé gratuit. Et avec Jésus, mon fada. Et il vient comme ça. Jésus me comprend. Et Jésus me comprend. Là, il m'a écrit de son grand. Mais mon nez, ben toi, il me suis un grand. Mais moi, ben toi, je suis un grand. Mais comment je suis un grand? Moi, ben toi, je suis un grand. Mais comment je suis un grand? Moi, ben toi, je suis un grand. Mais comment je suis un grand? Moi, ben toi, je suis un grand. C'est ça. Moi. C'est ça. Moi. Nous n'avons pas été rachetés. Il y a plus de ces choses. Alléluia. Amen. Quand vous avez été racheté de la belle manière, il y aura un micro. Quelle était la manière dans laquelle on vivait? Rébellion. Alléluia. Quelle était la belle manière dans laquelle on vivait avant? La méchanceté. On faisait le mal, mais on dit que c'est le bien. Tout notre pensée, notre cœur se tourne au jour le jour vers le mal. Alléluia. Notre esprit n'arrive pas à discerner ce qui est bon pour nous. Tout ce que notre chair désirait, nous l'avons. C'est ce que nous faisons avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père de Dieu, le Seigneur vous parle ce matin. Le Seigneur vous parle ce matin. Vous êtes précieux dans les mains du Seigneur. Vous êtes très très précieux. Alléluia. Il est le bon berger. Il est le berger de chacun de vous. Il berce chacun de vous. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire? C'est juste l'obéissance. Le ministre est tourné au nom. Juste l'obéissance. C'est juste pour moi. Tout simplement. Tout simplement. Bon. C'est pourquoi on dit que nous avons été sauvés par la grâce. Tous ceux qui pensent être sauvés par quelque chose. Tous ceux qui pensent être sauvés par quelque chose. Ne sont pas sauvés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Amen. Si cela vient de cette création, tu n'es pas sauvé. Si cela vient de cette création, tu n'es pas sauvé. Si cela vient du ciel, tu n'es pas sauvé. Si cela vient de l'eau, tu n'es pas sauvé. Si c'est un homme qui t'a sauvé, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. Seul Jésus. Jésus qui est éternel. Il est mort pour te donner le salut qui est éternel. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ de sauveur. Père de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous demande la grâce. Alléluia. Amen. Quand on dit sainteté, papa veut dire pureté. Vivre selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas faux. Mais lorsque nous avons lu tout à l'heure de Lévitique, la Bible dit quoi? Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel. Alléluia. Je vous ai séparés. Donc, je vous ai séparés de Dieu pour que vous soyez à moi. Donc, ça veut dire que là, la sainteté en train d'être définie dans la parole. Si nous prenons le Lévitique 26, verset 26, la sainteté est quoi maintenant? Et la séparation. Elle est une sorte de séparation. Qui
Alléluia. Amen. Quand on dit sainteté, il est là, voilà, oui, oui, ça veut dire vie de séparation. Qui craint? Alléluia. Amen. Une vie de séparation. Qui craint ton éveil? Le monde aïe, bon, dans lequel nous sommes. Aïe, ce monde n'a plus d'intelligence. Aïe, voilà, ça, le alléluia. Amen. Ce, homme, la, ce monde ne connaît plus d'éthique. Oh, aïe, voilà, ça, le ce monde ne connaît plus de quoi appeler valeur. De jour en jour, les valeurs se dégradent. Alléluia. Ce qui était un interdit hier est devenu une valeur aujourd'hui. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. C'est ça. Donc le monde va à l'envers. Le monde va à l'envers. Le monde marche sur la tête. Je ne veux pas que nous marchions selon le train du monde. Mais il nous sépare pour que nous soyons dans nous sommes transportés du monde. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres. Nous sommes transportés du royaume du péché pour désormais vivre dans le royaume de la lumière où Dieu réside. Nous ne sommes plus de l'autre monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes plus du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. Bien-aimé, la sainteté est très très importante. Quand on dit sainteté, on doit ressentir la vie de séparation. Est-ce que tu es séparé du monde? C'est le premier indice de la sainteté. C'est le premier indice de la sainteté. Quand on voit, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de monde encore en toi? Jésus a dit, le Père du monde arrive. Il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Si Satan vient, alléluia. Amen. Si l'accusateur vient en moi, si te fouille, est-ce que tu es convaincu? Il n'a rien de lui en toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quand on va te fouiller, quand on va te scaler, est-ce qu'il va pas trouver quelque chose de lui en toi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de lui? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes au milieu des féticheurs. Mais vous n'êtes pas des féticheurs. Alléluia. Amen. Vous êtes au milieu des prostituées. Mais vous n'êtes pas des prostituées. Vous êtes au milieu des menteurs. Mais vous n'êtes pas des menteurs. On doit avoir la séparation. On est prostitué, toi. Alléluia. On doit avoir la séparation. Entre un bandit et toi. On doit avoir la séparation. Entre un féticheur et toi. Alléluia. C'est très important. Nous t'adorons. Alléluia. Amen. Ce monde n'a plus d'intelligence. Alléluia. Amen. Ce monde marche à l'égarement. Ce monde est un monde raisonneur. Ce monde est un monde raisonneur. Ce monde raisonne la parole de Dieu. On ne raisonne pas la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Lisez-nous rapidement. Psaume 15. Lisez tout le son, c'est pas beaucoup. Psaume 15. Suivez bien, la parole du Seigneur. Psaume 15. Oh, éternel. Oh, maman. Qui séjournera dans ta tente? Très bien. Qui séjournera? Qui va vivre dans la tente de l'éternel? Maintenant, nous courons, maman. Alléluia. Amen. La tente de l'éternel. C'est où là? C'est où la tente de l'éternel? C'est où la tente de l'éternel? Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ton prière dans ce cadre. Pourquoi j'avais là où? Maman, il faut le prendre encore. Maman, viens voir combien. Voilà. Il est en mille bêtes. Il dit que notre corps. Temple de Dieu. Quand on dit tente, c'est encore temple. C'est encore maison. D'accord. Oh, éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ô
éternel, c'est que ça, ça nous donne. Alors, ma. Oh, éternel. Oh, ma. Qui séjournera dans ta tente? Ah, qui peut entrer dans ce cœur? Qu'est-ce qui peut entrer dans ce cœur? Qu'est-ce qui peut entrer dans cette vie? Qu'est-ce qui peut entrer dans la vie de ma fille? Parce que son corps est désormais le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Jésus. Jésus habite en toi désormais. Quand tu marches, c'est que c'est Jésus qui marche en toi. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui marche en toi. C'est Jésus qui parle en toi. Mais est-ce que c'est Jésus qui ment en toi? Est-ce que c'est Jésus qui se prostitue en toi? Est-ce que c'est Jésus qui est rebelle? Quand on dit ceci, Dieu a interdit. Et le mot de Dieu a interdit. Non, ça c'est trop. Vous exagérez. Est-ce que c'est Jésus qui est en toi? Donc en réalité, tu n'as pas encore Jésus. Donc, il n'y a pas d'avoir Jésus un peu. Il n'y a pas d'avoir Jésus. Il y a avoir Jésus ou ne pas avoir Jésus. Alléluia. Beaucoup n'ont pas Jésus. Je vous dis la vérité. Beaucoup n'ont pas Jésus. Beaucoup n'ont pas Jésus. Je vous dis la vérité. Beaucoup n'ont pas Jésus. Si tu as Jésus, si tu as Jésus, et que tu coules encore les femmes. Si tu as Jésus, et tu coules encore les femmes. Si tu as Jésus, et que la chose du monde te plaise encore. Si tu as Jésus, et que tu as encore les mains sur la tête. Si tu as Jésus, et que tu as encore les mains sur la tête. Tu n'as pas Jésus. Avec Jésus. Tu n'as pas Jésus. Avec Jésus. Tu n'as pas Jésus. Avec Jésus. Ami, la petite qu'il est saint. Mais voilà. Et oui, ouais, est trop saint. Et lui dit. Et il ne partage pas sa civilité avec quoi que ce soit. Si tu donnes tout ton corps à 99% à Dieu et que tu gardes 1%, je ne prends pas. Ça devient imparfait. Ça devient imparfait. Alléluia. Dieu est parfait. Et il a des choses parfaites. Alléluia. Amen. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Je veux un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Pas un sacrifice de péché. Alléluia. Amen. Si tu reçois, si tu entends ceci, et que tu vois une de ces choses encore en toi, tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Allô Jésus. Non, tu n'as pas Jésus. Allô Jésus. Jésus n'est pas dans ça. Jésus le nom. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas dans ça. Jésus le nom. Donc Jésus nous appelle à être en lui. Qu'il soit en nous. Mais que lui et nous fassions. Alléluia. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Voilà. Il va dire à personne maintenant. Va sois ceux-là que Jésus dit qui sont tes enfants. Écoutez bien. Celui qui marche dans l'intégrité. Qui pratique la justice. Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui est honnête. Celui dont le cœur n'est pas maladroit. Celui qui n'a pas de sourire et que dans son cœur il médite le mal contre toi. Alléluia. Amen. Amen. Et qui dit la vérité selon son cœur. Est-ce que la vérité sort de ton cœur? Est-ce que la vérité sort de ton cœur? En réalité, tu es le produit de ton cœur. Quand on te voit, tu es le produit de ton cœur. Papa, c'est faux, c'est vrai. Alléluia. Ami, tu es le produit de ton cœur. Alléluia. Ami, avant que moi je m'habille comme ça, ça vient de mon cœur. Alléluia. Ami, si je vais, je peux être débardeur. Et non, débardeur. Je viens ici. Bon, va-t-il. Ça vient de nous. De mon cœur.
Si je passe ces chaussures, il me fait pour ma langue. Tiens de nous. Dans mon cœur. Tout bien dans mon cœur. Bien au cousin Hachemé. Alléluia. Ami. Donc le corps n'est que le reflet du cœur dans le monde. Et oui, nous avec l'air. Alléluia. Ami. Le corps que vous voyez, la parole que vous voyez, nous nous milieu là, est le reflet de ce que vous voyez. Vous l'appelez le cœur. Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. Non, si vous me voyez avec des mèches, ça veut dire les mèches de Dieu. Si vous me voyez avec des tapages, ça vient de mon cœur. Si vous me voyez avec des cheveux fantaisistes, ça vient de mon cœur. Si vous me voyez avec des dessins, ça vient de mon cœur. Si vous me voyez avec des tenues serrées, ça vient de mon cœur. Si mon père avait des chaînes au bout, alléluia! Ça veut nous! T'as vu? Mais moi, quand on dit, ah non, Dieu ne regarde que le cœur. Effectivement, Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Mais ce que les hommes oublient, c'est qu'ils disent que Dieu ne regarde pas le corps aussi. Alléluia! Ah, la Bible dit quoi? Que quoi? Que nous sommes le temple de Dieu et que nous ne nous appartenons plus. C'est ça, non? C'est ça, non? L'homme n'est jamais libre. Est-ce que vous savez ça? L'homme n'est jamais libre. Comprenez ça? L'homme n'est jamais libre. L'homme n'est jamais à lui seul. Il ne calomnie point avec sa langue. Voilà, on ne doit pas calomnier. Il ne fait point de mal à son semblable. Voilà les éléments de la sainteté. Les éléments de la sainteté. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voilà. Il regarde. Ah, comment c'est comme où? Alléluia. C'est ça, on prend. Salut l'autre. Pour avoir une acceptation des autres. Tu as chanté le pas sur l'autre. Menti sur l'autre. Alléluia. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Oh, comme deux fois, n'avez-vous pas regardé dédain vos frères? Il est mal habillé, tu le regardes avec dédain, mépris. Tu as une préférence dans le regard pour tes frères. Quand tu vois que lui, il est ivre, allez, on ne le considère pas. Non, c'est pas ça. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Voilà, vous devez honorer ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Il ne se rétracte point. Oui. S'il fait un serment à son préjudice. Les gens qui ne se rétractent pas, c'est que les gens, ils s'engagent. Quand tu dis j'ai décidé de marcher avec Jésus, jamais derrière. Amen. La croix toujours devant. Toujours devant. Mais jamais en arrière. En arrière, c'est quoi? Elle fait tout dans le péché. Ah, il faut que je fasse tout rapide dans la promesse. Ah, il faut que je fasse tout dans la masturbation. Il faut que je fasse tout dans les images et plus. Simplement. Tu as fait un tour et tu seras capturé. Alléluia. Ami. Les gens qu'on va prendre là, c'est la grosse chaîne. Oh, tu as bien oublié la chaîne d'Aoué. Pour sortir de là, c'est impossible. Ouais, alors toi, on fait au moins. Avant, tu avais échappé. On va te menotter. On va lire des gardes. Pour empêcher que tu sortes. Il n'existe point d'intérêt de son agent. Voilà. Alléluia. Vous avez compris. Il n'existe pas point d'intérêt de son agent.
Ça vous dit quoi? En réalité, la vie de sainteté qui est demandée ici, c'est que nous devons faire preuve de générosité. Alléluia. Je donne généreusement. Je n'attends pas réellement à un retour. Alléluia. Nous devons facilement donner. Alléluia. Il y a déjà même à l'église. Ton frère a un problème. Il dit ma soeur. Emprunte-moi 1000 francs. Alléluia. En réalité, c'est Jésus. C'est qui te demande de lui emprunter 1000 francs. Tu prêtes 1000 francs à Jésus, tu regardes encore à Jésus. Si Jésus donne moi 1000 francs. Mais c'est ce qu'on fait. Moi, de gloire. Je veux mon argent. Ah bon? Tu veux ton argent. Donne-moi le plus du souffle. Depuis que tu es né là. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. C'est ça en réalité. En Christ, là, nous ne devons pas avoir cette mentalité. Alléluia. En Christ, nous ne devons même pas prêter à quelqu'un et attendre à recevoir. C'est ça la sainteté. Alléluia. C'est ce qu'on appelle sainteté. Attendez. Mon frère a besoin de combien? Ah, mon frère, tu as besoin de 5000. Bon, franchement, je n'ai que 2000 francs ici. Voilà. Toi, tu n'as pas prêté. Tu as donné. En réalité, tu es de la foi même. C'est ce que beaucoup ne comprennent. Et les gens du monde ont compris ça. La loi de bénédiction. La loi de la prospérité. Qui connaît ça? Apprenez à donner. Donnez sans rien attendre. En réalité, c'est à vous-même que vous donnez. Parce que il n'y a rien sur cette terre qui est au hasard. Tout ce que l'homme met sous terre, ça sort toujours. Si tu mets une graine dans la terre, ça sort, ça pousse. C'est ça. Ça va pousser. Ce que l'homme a semé, il le voit. C'est ça. C'est ça la sainteté. Tout ce qu'on fait de prière, ça ne veut rien dire. Non, c'est pas ça. Tout le monde est avec. Il y a le blocage. Tout est bloqué dans ma vie. Je dépose, mais on ne m'appelle pas. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas ceci. Hey, mon frère, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. C'est toutes ces choses en réalité qui entretiennent notre vie. Qu'on appelle sainteté. Ça, on appelle la sainteté. Lisez-moi le premier verset là. Qui demeurera sur ta montagne? Voilà. Qui demeurera sur ta montagne? La montagne sainte de Dieu, c'est là où Dieu réside. La demeure de Dieu. Qui peut demeurer avec Dieu? Alléluia. C'est celui qui fait ces choses là. Alléluia. Continuons. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Voilà. Don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. On a comme ça Jésus. Si tu te comportes comme ça, tu vas jamais chanceler. Tu vas jamais tomber droit. Partout tu seras. La faveur de Dieu est sur toi. Oh, qui commence si tout le monde est rejeté, quand toi tu viens, toi on va t'accepter. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Si tu fais ces choses, et si tu ne le fais pas, allô. Est-ce que la grâce de Dieu t'accompagne? C'est pourquoi tu vas. Et tu vois que c'est bloqué. La Bible dit pour parler, c'est pour toi. Pour parler. Parle. Alléluia. Lorsque vous allez, lorsque vous obéissez à ces paroles, et que vous avez vu que les portes sont fermées, vous entendez les pauvres souffrir. C'est ça. Lorsque vous faites des choses, et que le sens est fait à lui, vous entendez dans la voix quand c'est passé. Mais si vous ne faites pas ça, et que vous entendez ceci, il
il va se moquer de vous, il va comme ça. Il va taper ses mains. Il a tabico. Alléluia. Il a tabico. Il va lui battre, il va par terre. Et il a l'air au camp, mais pas quand même. Parce que donc tu es comme une feuille morte. Donc après nous couler nous quand tu n'as pas de poids. Donc on est au courant. Alléluia. 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 Afra. Alléluia. Ami. Voilà Jésus. Ami. Peu de Dieu. Donc maudon. Au-delà de ça. Donc, le Seigneur veut vraiment. Là où tu là. Que nous comprenions réellement sa volonté. Mais moi le conseil tout tôt. Les temps sont finis. Ah, ça lève. Les temps sont réellement finis. Mais là, nous voyons, ça lève au vent. Ce que je vous dis, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas de problème. Les temps qui nous restent. Ah, ça n'est pas nous mieux. Les temps d'obéissance. Ah, ça tombe si c'est temps. Prenons appui sur ce qui s'est passé. Mais c'est temps, nous mieux qu'au. Prenons appui sur ce qui s'est passé. Alléluia. Mais c'est temps, nous mieux qu'au. Prenons appui sur ce qui s'est passé. Mais c'est temps, nous mieux qu'au. Il y a des histoires similaires que la Bible nous a présentées. Ni l'un de voir. Où m'a donné et de nous mieux. Là, nous avons connu l'histoire de Noé. Mais tout au temps Noé ton. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé dans le temps Noé ton. Quand la colère de Dieu voulait frapper l'humanité. Et que les hommes ont refusé. Ils se répartissent. Les hommes ont refusé de se déplier. Ils ont commencé par juger Noé. Et tiens, regarde Noé dit. La colère de Dieu est venue. Parlez aussi pour les gens de Sodome et Gomorrhe. Avec toutes sortes d'abominations. Les hommes refusaient de se repentir. Ils pensent avoir raison. Ils pensent avoir connu Dieu mieux que Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut vraiment que nous nous séparions de ce monde. Le dépouillement. Alléluia. Le dépouillement. Mais il est le quoi? Le dépouillement. Mais il est le quoi? Alléluia. Le dépouillement est la clé. Oh, nous le dépouillement est la clé. Eh oui, regarde. Pour entrer au ciel. Mais si vous bien savez. Le dépouillement. Nous le dépouillons. Est la clé. Eh oui, regarde. Pour recevoir toute la puissance de Dieu. Mais si vous m'en rendez, Là, Jésus. Amen. Quand nous parlons de dépouillement. Eh la mise à quoi nous le dépouillons. En réalité, tout à la pluie du bas. Quand nous sommes séparés du monde, nous sommes séparés des peuples. Nous ne sommes plus des peuples. Nous sommes maintenant une nouvelle race. Alléluia. Nous sommes recréés. Nous ne sommes plus de la nature adamique. La nature du péché. Un pierre dit ceci. Il dit, rejetons donc toute malice. Et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, désirée comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Voilà Jésus. Amen. Si vous avez goûté, et le Seigneur est bon. Et le micro-dôme pour la Jésus, non. Alors approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Le choisi est précieux de votre Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous formez une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dit ceci, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais. Amen. Pour les incrédules. Même nos cassiers dans les la pierre qu'on rejetait pour ceux qui baptisaient. Moi, est devenu la principale. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y aide pour n'avoir pas cru à la parole. Mais si elle a commencé, ton roi. Et c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous, mais au contraire, moi, vous êtes une race élue. Mais un sacerdoce royal. Bientôt l'idée. Une nation sainte. Bientôt, oui. Un peuple acquis.
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Mais non, c'est vous là, au bon bébé. Éternel, amen. Le Seigneur dit que nous sommes devenus une race élue. Il laisse vous faire guider. Alléluia. Si nous sommes devenus une race élue, nous devons transcender cette nouvelle race. Mais de nado ni nomé, voilà, oui, oui, ni nomé. Alléluia. Amen. Nous devons transcender cela en toutes choses. Mais de nado, voilà, oui, oui, ni nomé, dodo, Jésus. En comportement. En appuyant. Le disant. Aujourd'hui, les enfants de Sapi bah. Et bien vivant ton sang. Les enfants de Sapi à la mondialité. Et nos sangs, nous l'air, on est ensemble. Venez voir comment les chrétiens Sapi. Il y a quoi de ici dans les sangs. Venez voir comment les sœurs chrétiens Sapi. Les points et les sœurs, vous mettez nos sangs. Alléluia. Elle s'habille de telle manière que on se pose la question. Si c'est les enfants du ventre, la vie vie, on tourne au alléluia. Amen. Si c'est les enfants du serpent, on peut les enfants de la postérité. Oh, vie, on garde la vie, on tourne au alléluia. Amen. Aujourd'hui, okay. Il y a un mépris total. Un mépris total. Il y a le père corps au ventre. Pour la pure. Nous, 600. Moi, il y a. Qu'est-ce qui m'a fait chasser de cette église-là? Et toi, il y a assemblée de Dieu. Non, à quoi assemblée de Dieu? Comme j'ai commencé par faire le tour des églises. Alléluia. Amen. L'assemblée de Dieu est la bonne dernière église. Assemblée de toi, il y a un conscient. Alléluia. Amen. Un jour. Mais quoi? J'étais à l'église. Non, mais ça. Et il était en train de faire des offrandes. Bon, il y a le mandat, et les gens allaient pour donner. Bon, mais là, il veut. Donc, je disais que j'allais donner ça en dernière position. Bon, j'étais assis. Bon, et je vois les gens défiler. Bon, mon et j'ai vu un couple. Mon début, je ne savais pas si c'était un couple. Je pensais que c'était frère. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Nous les lançons, nous sous les dents. L'attendez. Une femme. Nous les ne portera point un habillement d'homme. Nous sous les dents.
Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous avez entendu? Amen. Le Seigneur est devant toi aujourd'hui. La vie et la mort. Choisis ce qui te plaît. Si c'est la désobéissance qui te plaît. Si c'est porter tes pantalons pour couvrir tes fesses devant les hommes. Choisis. Alléluia. Vous ne comprenez pas. C'est que aujourd'hui même que les gens ne recherchent plus la connaissance. Est-ce que vous connaissez le rejet des pantalons des femmes? Est-ce que vous connaissez ça? Les gens ne cherchent pas à connaître l'origine. Non. Et dit non, le monde est venu. Non, je ne vous connais pas. La mode est satanique. La mode est démoniaque. La mode, c'est le système du monde des ténèbres. Bien aimé, tu n'es pas du système des ténèbres. Non. Arrêtez d'avoir ces raisonnements erronés. Des raisonnements dispersés, érotiques, démoniaques. Des racines de vos mentalités. Pantalon ne vient pas du ciel. Le ciel ne s'est pas venu révéler les pantalons. Toutes les femmes de cette génération, mettez des pantalons. Vous pouvez vous asseoir, c'est bon. Alléluia. Amen. Repentance. Si tu veux aller au ciel, réponds-toi.
Si tu as des pantalons encore à la maison, si tu as encore des culottes à la maison, quand on a dit à l'église, on ne t'a pas porté de pantalons. Et que toi-même, bon, tu dis ok, comme c'est l'église, attends, l'église, on ne porte pas de pantalons. C'est pas dans notre église. Alléluia. Il ne s'agit pas de notre église. Il s'agit de l'église de Christ. C'est pas notre église. Nous ne sommes pas dans une dénomination ici. Alléluia. Peuple de Dieu. Nous ne sommes pas dans cette dénomination ici. Alléluia. C'est pas les hommes que je voudrais expliquer. C'est un mouvement de réveil. Alléluia. C'est un mouvement de réveil. Et c'est le dernier signe que Dieu donne à l'humanité. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte. Tout est déjà mis en place. L'Esprit est déjà là. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne voyez pas. À cause de vous, Jésus t'a venu. Parce que Jésus attaque. Ah, est-ce que ma fille va pas se reposer? Est-ce qu'elle va pas enlever les choses qu'elle a portées? Alléluia. Ne soyez pas rebelles. Les temps sont réellement finis. Ne cherchez plus à vous justifier. Qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit que toute écriture est inspirée pour instruire. Alléluia. Donc l'écriture que nous proclamons ce matin, c'est pour vous instruire. C'est pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous voyez la gloire éternelle. Là, je suis cette terre, mon frère. Il n'y a que la souffrance. Tu vas travailler. Après, on va te donner quelque chose dans la main. Et tu vois que vraiment ça ne te suffit pas. Et tu as oublié de travailler encore. Pourquoi avoir la foi pour le mois prochain? Tu as encore travaillé. Tu vas t'en sortir. La paix est remplie de souffrance. Mais celui qui t'a crié, celui qui a créé la paix, celui qui a prouvé la paix de toutes choses, te dit, ne regarde pas ces choses. Regarde aussi. Alléluia. Regarde l'éternité. Regarde les temps infinis qui sont devant toi. Accepte. Passez ce moment de pleurs sur la terre. L'attente d'épreuve est court, n'est pas long, non. C'est un temps d'épreuve. Le temps de ta vie sur la terre. C'est un temps d'épreuve. Tu en as combien? 70 ans, 80 ans, 100 ans, c'est trop. Alléluia. C'est un temps d'épreuve. Face à l'éternité. Regarde l'éternité. L'éternité. L'infini. L'éternité. Aujourd'hui, tu as décidé le chemin. Le chemin que tu vas prendre pour ton éternité. Alléluia. C'est ce que nous disons. Acceptons souffrir. La Bible dit que même les gens qui courent dans les stades, les footballeurs, que nous sommes vous acclamés aujourd'hui, ceux que vous prenez comme des stars, vous pensez qu'ils sont stars comme ça? Sans sacrifice? Non, ils ont sacrifié quelque chose. Ils ont sacrifié le temps. Ils se sont donné des exercices. Ils se sont autodisciplinés. Ils se sont privés de certaines choses pour avoir cette gloire. Alléluia. Ils se sont privés de choses pour avoir cette gloire incorruptible. Mais je dis non, regardez. Si cette chance-là, vous se privez des choses, vous se disciplinez, vous se donnez des interdits pour avoir cette couronne. Vous, regardez la couronne incorruptible. Maîtrisez votre chair. Alléluia. Pendant ce temps que vous passez sur la terre, vous ne serez pas seul. Je suis avec vous. Je porterai le fardeau avec vous. Je porterai l'humiliation avec vous. Je porterai le rejet avec vous. Je porterai le chômage avec vous. Je porterai la pauvreté avec vous. Mais regardez la richesse qui est au ciel. Aussi, il n'y a plus de travail. C'est le repos. C'est le repos. Aussi, il n'y a pas d'entreprise. D'accord? Aussi, il n'y a pas marché, on va acheter piment. Alléluia. On va qui a vendu plus que l'autre. Non. Aussi, il n'y a pas de rien, pas de boutique. Alléluia. Tu me comprends? Au ciel, on ne vend plus. On n'achète plus. Oh,
cherche son repos. Tu vas te dire, ah, mon patron, on va me rappeler maintenant s'il est en retard. Il va te dire, on va faire du couli-couli. Non, le Seigneur a plus ça. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Regarde le ciel. Regardez le ciel. Le ciel est merveilleux. Là où tu règnes. Dieu qui a créé toutes choses règne. Imaginez comment le ciel se règne. Alléluia. Désirez le ciel. Aspirez aux choses d'en haut. Alléluia. Débarrassez-vous de ces choses. Vous pensez que ces choses sont anodines, c'est ça? Vous pensez que derrière les mèches, elles sont comme ça? Vous cachez l'origine des mèches? Vous cachez l'origine des mèches, l'origine des boucles d'oreilles? L'origine des chaînes que vous mettez, vous cachez l'origine? Alléluia. Ces choses, vous devez vous en débarrasser. C'est des choses en réalité. Vous savez, les gens de l'Église doivent avoir l'âge. Les faux prédicateurs de l'évangile. Abi dit malheur à eux. Alléluia. Malheur aux mauvais bergers. Ceux qui ont refusé de battre le troupeau, de dire la vérité et qui ont gardé la vérité captive à cause de leur ventre, à cause de leur renommée. Malheur à eux. Malheur à eux. Ils vous ont pas dit la vérité. Ils vous ont encouragé à mettre un bouc d'oreille. Que les boucs d'oreille, ça ne veut rien dire. On peut mettre un petit bouc d'oreille. Vous verrez comment l'homme est animé de la rébellion. Non, vous me jugez bien. Je ne sais pas si vous êtes arrivé une fois de vous mirer dans le miroir. Et c'est que au moins les 80% de ceux qui sont là ce matin Alléluia. C'est pas dit, Abid, que tu as travaillé pendant 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. Mais arrêtez quand on dit Dieu s'est reposé, pas que Dieu a dormi dans le monde. C'est pas dit que tu as cessé de travailler. Alléluia. Donc, Dieu a travaillé. Dieu a dit au 6e jour. Abid dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu dit que. Oh, quelle belle créature! Tout ce que tu avais créé était bon! Était très bon! Quand tu as créé la femme, tu l'as créé. Quand les enfants finissent, ils naissent avec les oreilles trouées. Mais maman, la fille là, lorsqu'elle a l'accouchement, est-ce qu'elle vient avec des oreilles percées? Les enfants viennent d'où? Ils viennent du ciel. Les enfants sont venus du ciel. Sans soleil percé. Mais arrivé sur la terre. Les méchants ont percé les oreilles. Alléluia. On percé les oreilles. Et ils disent. Non Dieu. Tu n'as pas bien fait ça. Elle n'est pas belle ma fille. Non. Mets ton boucle là. Là elles sont belles. Qui vous a donné ce critère de beauté? Qui vous a enseigné ce critère de beauté? Que la beauté est liée au moment de percer les oreilles des enfants. Vous les avez condamnés, vous ne savez pas? Spirituellement, je vous dis ce qui se passe. Lorsque vous percez les oreilles de vos enfants, alléluia. Alléluia. Les oreilles sont destinées pour quoi? Le rôle des oreilles, s'il vous plaît. Quel est le rôle des oreilles? Ça ne sert à rien. On peut les couper. Et à Saint-Dia. Le pasteur va couper. Et à Saint-Dia. Ça ne sert à rien, c'est de tout enlever ça. À quoi sont les oreilles? C'est ça quoi?
Donc, faut me traduire ça. Donc, ne serait pas permis d'entendre. Toi, nous sommes dans le sein. Entendre qui? Moi, c'est tête. C'est ça. Entendre qui? Du matin. Alléluia. Les oreilles sont placées pour entendre qui? Pour entendre la voix de Dieu. Pour entendre les voix de Dieu. Les oreilles sont là pour entendre. Il y a certains qui n'ont pas d'oreille. Certains sont sourds. Ils ne peuvent rien. Donc les oreilles sont placées pour entendre. Tout le monde entend quoi? La voix de Dieu. La voix du Créateur. Alléluia. Amen. Mais les hommes ont inventé des têtes chauves. Qui vont appeler il est créé là. Boucle pareil. Il est créé là. Boucle. Et toi, boucle. Et toi, boucle. 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 Boucle me dit fermé. Donc les sœurs, je les attendais à l'œil. Mais ils ont décidé de fermer les oreilles. Et ils ont dit non, ça fait tout. Elle m'a été créée avec les boucles d'oreilles. Les oreilles d'Emmet étaient pêchées. Si dans le cas, les beaux-enfants, filles, devaient chanter avec des oreilles pêchées. Les enfants sont naissent tout parfait. Dans une perfection totale irrépréhensible. Les sont inspirés par le diable. Mais les oreilles des enfants. Alléluia. Oh! Amen. Dans la Bible, ceux à qui on blesse les oreilles, ce sont les esclaves. Ce sont les esclaves de la Bible qui vont blesser les oreilles. Et ce n'est pas des paquets d'esclaves. Alléluia. Je dis bien dans la Bible. Ce sont les esclaves à qui on blesse les oreilles. Mais ce sont les enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Dans la Bible, ce sont les esclaves. À qui on pèse les oreilles. Et voilà, tonton là. Alléluia. Amen. On va dire rapidement, dites tout le nom. Mais là, on va vraiment de prendre. Quinze. Après, je vais essayer. Lisez-moi, je vais essayer. 16. Tu veux bien, Deutéronome 15. Après, je vais essayer 16. Je lis Deutéronome 15, verset 16, au nom de Jésus. Oui. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi. Voilà. Et le canon de l'homme, il y a tout ce qu'on doit. Parce qu'il t'aime. Toi et ta maison. Et qu'il se trouve bien chez toi. Vous écoutez bien. Alors tu prendras un poisson. Un poinçon. Et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Vous avez vu? Pour ta servante. Alléluia. On dit, mais ça, si ton esclave te dit, et le calme toi, maître, oh, gardien, non, je ne veux plus être libéré. Non, c'est bon. J'aime tes viandes, j'aime ton plat, j'aime le lit, j'aime la chambre, j'aime le climatiseur, j'aime les choses de ce monde. Alors, maître, je ne veux pas quitter le monde. Je veux rester chez toi. Alors, pour montrer qu'il va être fidèle pour toujours, la Bible ordonne que ce chat d'esclave, qu'on cherche un poisson, une petite pointe, qu'on l'amène. Je ne sais pas si tu veux pas être libéré, c'est ça, non? Oui, maître, je vais rester avec toi. Joue ma fidélité. Je joue fidélité. Je suis soumis à tout, mon maître. Maître, je suis soumis à toutes choses. Parce que j'aime ton plaisir de manger. Je vais demeurer ici. Ok, viens. Esclave. Voilà. Quand on l'accompagne.
à la porte. Tellement à la porte. Tu refuses de sortir. Tu refuses ta liberté. Tu refuses la blessure hors de la porte. Alléluia. On la met à la porte. On pose ses oreilles. On dit, regarde, est-ce que tu veux pas libérer? Tu veux pas libérer? Non, maître. Tu veux rester? Tu veux pas libérer? Non, maître. Ok. Bon. Allez, garde. Prenez ses oreilles. Allez, voilà la pointe. Amen. Tu veux libérer? Non, je viens à toi. Non, allez, on baisse l'oreille. L'oreille est baissée. L'oreille n'était pas baissée avant. Si il était présent, il dit de te mettre la pointe dans l'oreille qui était baissée. Alléluia. On baisse l'oreille à l'esclave. Maintenant, on fait la même chose pour la servante. C'est pas même les femmes, même tout. C'est les hommes, pas les hommes. Ah non, c'est les hommes qui ne doivent pas baisser les oreilles. Pour ta servante. C'est homme. C'est ma femme. Donc on amène la servante. Si tu ne veux pas partir. Tu veux trouver le sou. Non. Allez. On passe l'oreille. C'est fini. Et il reçoit la marque pour toujours. Ouais, on appelle ça la marque 666. Alléluia. La révélation d'Apocalypse nous dit que cette marque sur les oreilles, c'est la marque de la bête. Donc, en fait, on appartient à la bête. Et tout ce qui a cette marque ne peut jamais être enlevé. Alléluia. Maintenant, d'où vient cette culture? La culture de Père, c'est de ça vient tout. Alléluia. Ça vient de l'Égypte. Ça vient de l'Égypte. Israël était allé en captivité. En Égypte, vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? À cause de la famine dans le pays à Canaan. Alléluia. Ils sont venus, Jacob est venu avec ses enfants pour s'installer en Égypte. Et ils ont passé des années, des années. Et ils se sont multipliés, devenus un peuple nombreux. En Égypte. Alléluia. Donc ils ont eu le temps de voir la tradition, la coutume. L'Égypte symbolise le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde corrompu. L'Égypte, c'est l'image du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Le pharaon symbolise le prince de ce monde. Bon, pharaon, ouais, Pharaon était l'incarnation de Lucifer, du diable. Alléluia. Donc c'est le système de Satan. Donc il mettait les boucles d'oreilles. Alléluia. C'est là-bas, ça a quitté. Donc tout ce que vous copiez là, vous les copiez du monde. Vous ne copiez pas de Dieu. Non. C'est pas parce que vous êtes séparés. Je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des gens qui parlent de bouts d'oreilles. Donc si vous continuez à faire ces choses, vous liez vos enfants. Vous vous liez vous-même. Je vous comprends quelque part. Oui, c'est la culture, ça a plus de temps. Oui, Togouma. Que c'est la pratique. Comment on saura que c'est une fille? Oui, la boucle d'oreille permet de faire la différence fille et garçon. Ça, c'est le raisonnement humain, charnel. Dieu même a tout disposé. Dieu que les animaux malais venaient. Oui. Lève les animaux là, on a percé les oreilles. On a percé les oreilles là à la vache. Il dit, ah, ça c'est vache. Hello, les bourriers. Alléluia, ça c'est la lionne. Hello, Cordier, hello, Candelier. J'aurais pu faire la distinction selon la pensée de l'homme. Mao, bloc. Attends, les appels me disent, toi, comme tu es la lionne là, je vais pour craquer les oreilles. Je vais pour craquer. Donc tous les animaux qui sont bouclés sont des femelles. C'est insensé, c'est un raisonnement insensé. Alléluia. Vous avez vu comment la corruption, comment une erreur peut traverser des siècles, des milliers d'années et devenir quelque chose comme si c'était passé. On est né dedans. On est né dedans. Quand on dit, mais comment, la réaction sera comment? Elle sera comment?
Est-ce que si on ne met pas bouteille, je sera comment? Ça, c'est votre raison. C'est ce qui est entré dans votre système pendant des années. C'est pourquoi ça vous étonne. Je comprends, je comprends cela. Mais il dit non, qu'on veut voir ma parole. Alléluia. Donc les boucles d'oreilles, on ne doit pas les mettre. On ne doit pas les mettre. Les enfants vite. Ne mettez plus de boucles d'oreilles à vos oreilles. Des boucles d'oreilles, c'est pas bon. Vous-même, regardez la révélation. Pendant que vous baissez les oreilles, les enfants sourient. Est-ce que ça va sourire? Il faut comment? Il faut comment? Il pleut! Il pleut! Il pleut! Et le sang doit briller. Le sang doit le forcer. Le sang doit pousser pour qui? C'est une alliance. Alléluia! Parce que le sang doit couler. Si vous percez l'oreille, le sang doit couler. Forcez! Oh, il y a la vie dans le sang. Alors que moi-même, je vais le mettre. Vous avez coulé le sang des enfants. Parents, vous qui avez percé le sang de vos enfants, vous avez fait couler le sang. La Bible dit ceci. Écoutez pas bien la parole de Dieu dans la jeunesse. Ceux qui coulent le sang. Alléluia. Genèse 8, verset 5. Genèse 8. Les eaux allaient en Genèse 8, verset 5. 9, verset 5 plutôt. Genèse 9, verset 5. Je dis au nom de Jésus. Amen. Sachez-le aussi. Écoutez bien la parole du Seigneur. Amen. Je redemanderai le sang de vos âmes. Ah, Attendez, je vais prier encore. Sachez-le aussi. Mais tout là. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Écoutez bien, hein. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Amen. Il dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Oh, moi. Le sang de vos enfants. Oh, moi. Dieu va me le réclamer. Oh, vous venez de là-dedans. Le sang de vos enfants que vous avez fait couler. Pendant que vous le percez dans les oreilles. L'éternel dit. Qui va vous le réclamer? Répentance. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Le Seigneur ne peut que vous dire qu'il est bon pour vous. Alléluia. Amen. Ne regardez pas le système d'appréciation du monde. Mais maintenant, nous dit là, dites-moi, le monde ne peut pas dire mon frère, tu es beau. Le monde ne peut jamais te dire ça. Aïe, voyez la gueule, nos vies sont jamais au gagnant. Ne peut pas te dire ça. Si le monde te dit ça, c'est qu'en réalité, tu as fait les choses du monde en toi. Le monde doit te trouver bizarre. Le monde a trouvé Jésus bizarre. Le monde a reçu Jésus. Le monde a crucifié Jésus. Le monde a chassé Jésus. Toi aussi, pareil. Alléluia. Le monde ne va jamais vous aimer. On va te dire, ma soeur, tu es laide. Elle a dit, tu es devenu vieille. Mémé. Tu es devenu mémé. Tu vas commencer à vivre comme mémé. Regarde la mémé. C'est ça le monde. Le monde va te maîtriser. Parce que tu t'es dépouillé. Ils vont te rejeter au travail. Là, comment ça va comme ta vie? C'est quel abîmement? Quel abîmement d'antiquité que tu mets là? C'est ça! Moi! Elle dit plus personne s'habille comme ça! C'est ça le monde! Mais le jour que tu vas oublier au monde, là tu appartiens au monde. Alléluia, ne soyez pas pour le monde. Les choses que vous mettez sur vos corps, enlevez-les. C'est pas bon pour votre âme. Les choses que vous mettez, ce sont des pièges pour votre âme. Pourquoi? Parce que derrière ces choses, il y a des esprits. C'est pour ça. Derrière tout objet que vous mettez sur votre corps, il y a un esprit forcé. Mais Dieu veut vous voir tel qu'il vous a créé. Il ne veut que lui. Quelque chose ajoute à vous. Soyez complet.
Comment offrir à Dieu? Alléluia. Amen. C'est ça. Moi. Ne dis pas non. Je suis pas beau. Je suis pas belle. Mais Dieu est bien pour le ciel. Dieu est bien pour l'éternité. Tu es bon d'éternité en éternité. Mais c'est ça. Moi. Moi. Tu es bon. Pousse pour un peu de temps. Et tu es viré pour l'éternité. Vous voulez être beau pour ce monde qui passe, et vilain l'est, méprisant pour l'éternité. Regardez ce que la Bible dit dans Jude. Jude. Alléluia. Jude, nous sommes pratiquement à la fin. Mais il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous fassiez réellement attention. Peuple de Dieu, le Seigneur exige notre dépouillement. Akunolo, le dépouillement. Alléluia. Amen. Ça y est, Judas 10. Imagine ton tao. Judas 10. Nous sommes à la fin. Et le Seigneur veut vraiment que son père se dépouche. Les choses que vous avez sur vos corps. En réalité, ça ne vient pas de Dieu. C'est les choses que vous avez héritées du monde. C'est les choses que vous avez appelées du monde. Alléluia. C'est les choses que vous avez appelées du monde. Alléluia. Ces choses viennent du monde. Toutes ces choses que vous mettez sur vos corps. C'est ce que le monde a fait. Je me rappelle, moi, quand j'étais aussi jeune, je crois, mettais les chaînes. Et ils m'ont fait des rappeurs. Ils ont lâché le cou. Ils ont fait des rappeurs. Alléluia. Oh, on ne savait pas que c'est les chaînes contre nous. Tout ce que vous mettez, il y a toujours un esprit. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Vous avez vu? Ouais. C'est que le Seigneur voit de ces deux comme des brutes. Alléluia. Amen. C'est dit, le langage est injurieux. Quand on donne le message, tu me dis, quoi? Qui était là? Et c'est quoi? Cet homme, cet homme. Parfois, même les gens quittent l'église. Il quitte l'église. Mais on peut faire ça. Si tu quittes l'église, ça. Jésus est toujours Dieu. Jésus est toujours Dieu. Alléluia. Ami. Jésus est toujours Dieu. Jésus est toujours Dieu. Et le message sera toujours prêché. Bon, pour être Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de rien. Donc c'est pour toi-même. Donc voilà tout toi. Amen. Malheur. Malheur à eux. Voilà. Ceux-là, malheur. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Tous ceux qui font cette chose-là, ils ont suivi la voie de Caïn. Mettez bouée le tout, mais au cours de Caïn. Quelle est la voie de Caïn? Était où Caïn? La Bible dit que Caïn s'est éloigné de Dieu. Perdition. Alléluia. Amen. Caïn s'est éloigné de Dieu. Caïn ailleurs. Et là, vagabond. Et Caïn, on m'a oublié. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. Moi, la perdition. Nous, beaucoup. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Voilà. Tromperie. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Tous ceux qui se révoltent, ceux qui contestent, hein? Ce sont des écueils dans vos agapes. Oh, suivez. C'est Dieu qui parle. Oh, la couleur. Faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des conseils. Ce sont des nuées sans eau. Voilà, ce sont des nuées. Ceux qui résistent. Ceux qui ne savaient rien dire. Mais le Seigneur, pas la main. Ils ne l'ont dit. Ils ne l'ont dit. Ils ne l'ont dit. Poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés. Deux fois morts. Et à coup d'un son, il dit. Deux fois morts, vous savez ce que ça veut dire? C'est dit qu'ils sont condamnés pour toujours. Et quand on le crée, ils ont déjà reçu la seconde mort. Et puis il y a comme au coup et gant. La seconde mort qui est la dernière mort. Au coup et gant. Si quelqu'un va
va à la deuxième mort, il ne verra jamais Dieu. Et il a mené quand ça est égaré mon enfant. La deuxième mort n'enchaîne pas la résurrection. À coup égaré son enfant sont quoi? Alléluia. Amen. La première mort. Au coup de la résurrection. Et maintenant Dieu passe au jugement. À mon enfant son mais la deuxième mort. Non, même coup égaré. La mort de la deuxième. Et il y a un coup de tombé. Oh. Amen. Le lac de feu n'a ni allé jamais près. My God, Dieu. Tiens, l'enfer existe. Regardez le temps que vous avez passé dans les souffrances. Mais pas au bel et nous pourrons. Pourquoi vous demeurez encore dans la vie? Quoi, allez-vous casser? Vous demeurez encore dans la désobéissance. Allez-vous casser tout le monde? Le temps qui reste dans l'obéissance. Les vagues furieuses de la mer rejetant le cume de leur impureté. Voilà, impureté. Des astres errants, voilà. Auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injureuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Qui marchent selon leur convoitise, voilà. Qui ont à la bouche des paroles hautaines, hein. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Hein. Mais vous, bien-aimés, voilà. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on a annoncé aujourd'hui. Et nous avons vu. Alléluia. Amen. C'est ce que vous mettez. Amen. Les bracelets, les mèches, les parfums. S'il vous plaît. Ces choses ont des connexions démoniaques. Vous savez ça. On vous dit même ça dans le monde. On vous dit même que derrière les parfums, c'est l'esprit de Marie. C'est pas faux, c'est vrai. Parce que ça attire l'odeur. L'odeur attire les esprits. C'est comme ça. Vous ne savez pas ça. L'odeur que vous mettez attire les esprits. Tout parfum. Tout parfum qui part dans les étalages du sous-sabat. Parfum de bouton. Alléluia, attire les mauvais esprits. Je ne parle pas des parfums naturels. Il y a des parfums qui sont naturels. Les essences des plantes. Alléluia. Le quoi appelle l'odeur qui sort des fleurs, des plantes. Puisque c'est Dieu qui a créé. Alléluia. C'est Dieu qui a créé, non? Alléluia. Donc l'odeur reflète Dieu. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais je parle de ceux qui viennent de la mer. Je ne veux pas vous trouver dans le marché. Le petit qui mêle. On dit, ah, quand il fait ce parfum-là, ah, c'est parfait dans ça attire les hommes. Et là, ton bateau là-bas, ton sous-roi, oui. C'est de qui va attirer les hommes. Et on sait, dit que Jésus, les hommes. Et là, ton bateau là-bas, attirer les hommes. Et là, ton sous-roi, ton bateau, oui. C'est le Saint-Esprit qui va attirer les hommes. Tu te poursuis avec eux. Ça, c'est le Saint-Esprit. Oh, big boy, big boy, vous ne voyez pas ça. Big boy, vous ne mettez plus le parfum à vos hommes. Ma voix, tout parfait de venir. Ne mettez plus le parfum sur vos corps. Parce que vos corps, parfum, toi, ben, toi, vos corps, en réalité, ben, ben, sont ben, le temps du Saint-Esprit. Et ouais, les parfums, en réalité, sont blessés pour les morts. Oh, parfum, hein, il est là, il met coucou là. Si vous mettez les parfums, c'est conséquent, vous êtes mort déjà. Vous êtes vivant. Alléluia. Amen. Vous êtes vivant. Ces choses, le Seigneur veut que vraiment. Vous dépouillez de ces choses. Maou, vous dépouillez de la nouvelle personne. Les maquillages. C'est des choses que vous devez vous défaire. Oui, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose avec vous. Dieu va vous donner la beauté céleste. Maou, la beauté des anges. Oh, votre beauté, on va même pas faire ça comparaison sur la terre. Oh, alléluia. 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 Amen. Parce que vous êtes beau. Dominion, vous êtes belle, les sœurs. Vous êtes belle, les sœurs. Attendez pour la beauté des sœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Akunoyon. Il est en train de faire un travail. Hello, dans ce moment. Toi, non, c'est de faire son travail. Vous savez, lorsque vous avez toutes ces choses-là, l'esprit de combat descend. Oh, oui. Bon, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Bon, merci, bon, vraiment, le baptême du Saint-Esprit. Les dons. Oh, quel que soit ton âge, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu va descendre en toi. Alléluia. Lorsque tu enlèves toutes ces choses, on appelle les idoles. Lorsque tu enlèves les idoles, tu as les gènes. Arrivez à la maison aussi. Pareil, je dis Seigneur, j'entends ta parole aujourd'hui, tout ce qui est dans ma maison, qui est comme idole, qui a pour Satan encore une main, Seigneur, aide-moi à les localiser, et sortez les détruisez, séparez-vous de ces choses, et dis Seigneur, maintenant,
Je me suis séparé de ça. Maintenant, si tu es vraiment puissant, manifeste-toi. Il ne peut que descendre. La sainteté l'a dit. C'est ça. Si vous êtes sanctifié, si vous êtes dans la sanctification, ceci ne peut rien vous faire. Ils ne peuvent rien vous faire. Les chrétiens que le diable redoute. Amen.
Emana momito bokono de welala enawa momito menagime enawa momito wedagime enawa momito wedagime emana momito bokono de we enawa momito wedagime When we just unawa, enawa momito, wena. When we na leko, enawa momito, wena. Nuko 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 ya, emana momito, boka no de we. Enawa momito, wena. Sete sudo aga, aga, sete aga. Omi ze Jesu do aga, aga, ze do aga. Omi ze Jesu do aga, aga, omi ze Jesu do aga. Omi ze akosu odaga, aga, omi ze kwenye do aga. Omi ze Jesu do aga, aga, ze do aga. Omi ze Jesu do aga, aga, ze do aga. Aga. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons celui qui t'a enseigné ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimés, bienvenue. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Parce que ce matin, le Seigneur nous a enseigné sur la sainteté. La sainteté. Alléluia. Amen. La sainteté nous a dit que c'est une vie de séparation. La sainteté, c'est la nature du Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit. Alléluia, suivez. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est saint. Et il cherche un temple qui est saint. Un temple qui s'est séparé du péché, des ornements, si du monde. Donc, bien aimé, nous allons prier. Et pendant que nous prions, chacun va s'examiner. Si tu as encore ces choses sur toi, si tu as encore les boucles d'oreilles, si tu as encore les chaînes, si tu as encore qu'on appelle même les bagues, si tu as encore les mèches, si tu as encore ces collants, ces choses sur toi, je te prie de te rapprocher d'un moment. Elles vont t'aider. Parce qu'on va passer à un autre moment. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre. De prendre le contrôle. Nous sommes déjà dépouillés. D'accord, descend lui-même pour faire le travail. Alléluia, c'est très important. C'est ça la vie de cette église. Gloire à Jésus. Donc nous allons prier. Tu vas lever ta voix. Je veux que tu pries. Alléluia. Amen. Vous devez prier. Personne ne va prier pour vous ici. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui va parler de ta bouche. Puisque tu as la bouche, c'est toi-même qui va parler. Alléluia. Amen. Chacun va parler, chacun va prier. Suivez les instructions qu'on va donner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux qu'on nous ait l'aptitude de celui qui veut prier. Nous nous levons. Mais ceux qui ont des problèmes au pied peuvent s'asseoir. Ceux qui sont malades peuvent s'asseoir et prier. Mais les autres, vous restez debout et on va prier. On va vraiment prier.
Si tu es venu ici, non, fais prier. Si tu vas prier, il peut être ouvert. Ah, oh, je vais prendre ta main. Je vais te raccompagner. Gloire à Jésus. Donne-moi un chant, s'il vous plaît. Donne-moi un chant, s'il vous plaît. Dans la vérité, dans la vérité. Bien-aimé, pendant ce moment, examine-toi. C'est un temps d'examen. C'est un temps d'examen. Examinez-vous. Si vous avez encore ces choses sur vous, enlevez-les, amenez-les devant, amenez-les devant, on va les détruire devant le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez ces choses sur vous, les bracelets, que vous devez vous défaire, amenez-les devant, vous avez les boucliers, amenez-les, nous allons les détruire, amenez-les devant. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Si tu es là, si tu es là, et que tu as encore des choses dans ta vie, si tu as encore les boucles d'oreilles, enlève-les à même devant. Si tu as des bracelets, si tu as des chaînes au cou, Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'aura pas un traitement particulier pour toi. C'est ça le signe de la repentance. Ce temps est ouvert pour toi, bien-aimé. Viens devant Jésus. Dis Jésus, je jette les idoles. Je jette les idoles. Ce jour, je décide. Je décide. Seigneur Jésus, je décide d'abandonner. Alléluia. La Bible dit dans Actes 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venez confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Alléluia. Fais comme ces disciples, ceux qui avaient pratiqué la magie. Ceux qui avaient utilisé les boucles d'oreilles, les chaînes, les bracelets, ils sont venus. Ils ont jeté au pied des apôtres. Et ils ont dit, maintenant je confesse Jésus. J'accepte ta nouvelle vie. Je crois que le Saint-Esprit opère un jour dans ma vie. C'est la condition. C'est la condition. Pour voir la gloire de Dieu. Là est venu. Là est venu cet esprit. Tu connais ceux qui sont à toi. Tu connais ceux dans lesquels sont toi. Tu ne donneras l'Esprit Saint à ceux qui se sont repentis. Tu ne donneras le Saint-Esprit à ceux qui ont décidé de changer de Tu connais. À toi. 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 À toi.
Devant ton Seigneur. Donc, devant toi. Donc, ce que tu es. Moi, dis ça au Seigneur. Ah, non. Le type de personne que tu es. Dis-lui au Seigneur. Non. Dis Seigneur. Ah, non. Oui. Je continuais. Je continuais. Là, vous croyez. À marcher. Oh, dans la désobéissance. Je continue à porter. Ah, les choses. Vous ne pouvez pas interdire. Seigneur Jésus, à nous ce matin. Je viens. Je me répands. Je me répands devant ta face. Commence par prier. Dis Seigneur Jésus. D'abord, tu vas confesser le Seigneur Jésus. Tu vas répéter ça avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Répète avec moi. D'accord, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Il s'est retourné. J'ai été touché. Seigneur Jésus, à tout le Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu es Dieu. Tu es le seul Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui m'a créé. Je te reconnais. Je te reconnais. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. Dans ma vie. Dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Comme mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Viens. Viens. Prends le contrôle. Prends le contrôle. De mon cœur. De mon cœur. De mon âme. De mon âme. De mon esprit. De mon esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À part d'aujourd'hui. À part d'aujourd'hui. Je renonce. Je renonce. Aux mèches. Aux mèches. Je renonce. Je renonce. Aux boucles d'oreilles. Aux boucles d'oreilles. Je renonce. Je renonce. Aux ornements. Aux ornements. De Jézabel. De Jézabel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce. Je renonce. À l'idolâtrie. À l'idolâtrie. Je renonce. Je renonce. Aux mensonges. Oh, mensonge. Je renonce. Je renonce. Aux eaux des ténèbres. Aux eaux des ténèbres. Je renonce. Je renonce. À la sorcellerie. À la sorcellerie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que j'ai péché. Que j'ai péché. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché qui est mal à tes yeux. J'ai péché qui est mal à tes yeux. À partir d'aujourd'hui. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. À marcher. À marcher. En nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. 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 Pour certifier. Pour certifier. Que je suis ton enfant. Que je suis ton enfant. Pour certifier. Pour certifier. Que je t'appartiens. Que je t'appartiens. Désormais. Désormais. Saint-Esprit. 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 Viens en moi. 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 Viens à moi, 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 enlève, enlève la rébellion, la rébellion, enlève, enlève la colère, la colère, enlève, enlève la haine, la haine, enlève, enlève la désobéissance, la désobéissance, Saint-Esprit, Saint-Esprit, et toi, mon cœur, mon cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen, amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas poser l'acte de confession. Alléluia. À cause de ça, tu as dit Seigneur Jésus. Ce matin, je suis venu. Moi, papa, dans ton message, j'ai reconnu que j'ai péché. J'ai reconnu que j'ai marché contre ta parole. Je ne te demande pas. Tu vas adopter une position pour demander pardon.
Parce que nous allons combattre. Tu ne peux pas combattre avec le péché. Jamais. Tu ne peux pas combattre avec les mèches. Tu peux combattre avec les bracelets. Tu veux combattre qui? Demande pardon, Seigneur. Je t'appellerai pitié de toi. Puis au nom de Jésus. Au dernier moment, encore Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh, j'ai résisté à ta parole. Avant le Seigneur, t'as retourné. Seigneur Jésus-Christ. J'ai refusé ton pays. C'est ton retour. Je me mets en colère. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant la croix, là où tu t'es chargé de mes péchés, là où tu as pris mes péchés, Seigneur, nous voici au pied de la croix, ô pécheur que je suis, misérable que je suis, orgueilleux que je suis, impudique que je suis, incrédule que je suis, ô Seigneur, je reconnais ma faute, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur Jésus, je continue encore d'aller voir les féticheurs. Je continue d'aller voir les faux serviteurs, les serviteurs de diable. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Mon cœur est sale. Je me suis prostitué. Seigneur Jésus, j'ai volé. Seigneur Jésus, la femme d'autrui. Seigneur Jésus, pitié. Prie. Confesse tes péchés. Toi qui désobéis aux parents. Oui, mais on perd nous. Demande pardon. Papa Jésus, pardonne-moi. Papa Jésus, soyez calme. Je ne respecte pas mes parents. Nous étions nous, papa, je ne reste pas à la maison. Papa Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et la vie, oui. Oh, la vie.
sang de Jésus. Lave que le sang de Jésus te lave. Jésus tombe. Dis sang de Jésus, lave-moi. Lave-moi de mes péchés. Lave-moi, Seigneur. Le sang qui a été versé pour moi. Lave-moi. Monte les tiens. Oh là, ouais, oui. Oh là, sans s'attendre. Oh là, ouais, Amen. On va prier maintenant. Je vous ai dit. C'est un principe. Alléluia. Personne ne va prier pour quelqu'un. Mais l'arrivée, Alléluia. Amen. Si tu veux avoir la gloire de Dieu dans ta vie, tu n'as qu'à prier. Alléluia. Descends en moi. Tout ce qui est en moi. Qui veut m'empêcher de prier? Tout ce qui est ici. Qui empêche de prier? L'esprit de Dieu. Descends maintenant. Tout ma plaie. Tout ma plaie. Prie au nom de Jésus. Prie, mi-wode. Le feu, 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 le feu,
Tout le contre-pied,
puissance, soulève toute ta puissance, détruis ta puissance, détruis ta puissance, détruis ta puissance, détruis ta puissance. Dieu veut détruire la gloire de Dieu, mais Dieu est vaincu, Dieu est vaincu, Dieu est vaincu, Dieu est vaincu. Que l'ange de l'éternel te saisisse, que l'ange de l'éternel te saisisse, qui te saisisse. Qui te saisisse, tout renfort envoyé à ce lieu, je bombarde. Père, j'appelle les quatre forgerons. Que les quatre forgerons descendent. Que les quatre forgerons descendent. Maintenant, les quatre forgerons. Où êtes-vous? Maintenant, la corde qui est ici, toute corde qui est ici, par le nom de Jésus, toi corne, oiseau, alléluia, toi corne, oiseau, ici, par le nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, toi, manifeste-toi. Que tes enfants, ici présents, soient touchés. Sois touché par ton feu. Tout ce qui est ici, qui conteste ta gloire. Tu nous as dit dans ta parole que tout lieu où nos plans de pied fleuront, nous les avons en possession. Nous déclarons que ce territoire nous appartient. Nous exerçons l'autorité de Jésus en celui. Nous proclamons le règne de Jésus en celui. En ce lieu, c'est Jésus qui règne. Malade, vous pouvez rester assis. Alléluia, les autres venez, c'est moi prier. Nous allons prier. Alléluia. Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. Alléluia. Que la puissance de Dieu descend.
tout ce qui est en moi, nous ne pouvons jamais. Tout ce qui est dans ma vie, nous ne pouvons pas jamais. Qui est caché en moi, pas qui vous et qui ne peut pas que je prie. Saint-Esprit, laissez-le, laissez-le. Saint-Esprit, tout ce qui est ici, nous n'avons vu. Qui a peur de prier, soit déraciné. Soit déraciné. Soit déraciné. Jésus, nous avons prié. Tu as dit, Seigneur Jésus, tout ce que j'ai mangé dans mon sommeil, qui sont les qui mangent dans le sommeil ici? Quand ils rêvent, ils mangent, quand ils tombent là, ils voient qu'ils sont les mangent, on leur donne à manger. On va prier pour eux. Ceux qui mangent, mais non. Faut pas avoir honte ici. Tu n'as pas à manger. T'as le sommeil. Et maintenant, pour trop. Pour le monde à mon main, il est doué. C'est à le traga. À nos filles. Par le coup trop. Par le moment, on doit à mon main. C'est à le traga. On a de lui. Alléluia. À la haute. Nous, on doit à mon main. On doit à lui. Alléluia. Amen. Nous, on a un mouloméon. C'est quoi tu manges dans le sommeil? Nous t'as. C'est un pas pour nous. Alléluia. Amen. À la roule. Tu as prié. On a couru Jésus. Ah, tu as dit Seigneur. À couru Jésus. Ah, Seigneur. On est. À couru Jésus. Ah, Seigneur. Ah, nous disons retourner là. Ah, non, tu as dit la parole. Bon, à base de dire qu'on retourne. Mon cœur est à ton temple. Nous t'aimons. Pour y assez tôt. Pour moi, à base de tes. Pour le Père Saint-Germain, quand il revient, nous brisons, nous brisons. Oh là, 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 oh là. C'est la fin de prix.
Alors, Jésus. Alors, Jésus. Alors, Jésus. Alors, Jésus. Alors, Jésus. Alors, Jésus. Alors, Jésus.